L'exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, Vivre pour l'art, rend hommage à deux collectionneurs qui ont élevé la collection d'art au rang des beaux-arts, qui ont fait de l'art de collectionner un art à part entière, un véritable médium artistique. Ces appartements-musées, ces maisons-chefs-d'œuvre, étaient comme des installations artistiques, au sens du champion. Ce sont des collectionneurs accrocheurs qui installent des correspondances, des dialogues avec les artistes, avec les œuvres, et qui donnent de véritables installations artistiques. Le but de notre exposition et du livre qui l'accompagne, hein, Vivre pour l'art, n'est pas du tout de reconstituer, ce qui serait illusoire, l'appartement du studio Saint-James à Neuilly en 1928 ou l'appartement de la rue de Babylone d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger dans les années 70, 80, 90. Non, pour nous, il s'est agi de rechercher l'esprit de chacun de ces appartements, de suggérer, d'évoquer ce qui était à l'œuvre dans ce dialogue entre les artistes, dans le choix des œuvres, dans le choix de la scénographie. Et c'est pour ça qu'en travaillant avec Nathalie Crinière et Jacques Grange, nous avons imaginé une succession de 5 salles, 3 salles dédiées au studio Saint-James de Jacques Doucet, 2 grandes salles dédiées à la rue de Babylone d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, en essayant, pour chacun des endroits, à la fois de tracer un peu les ponts entre les deux univers, car il y en a, car il y a un peu une filiation entre Doucet et Saint-Laurent, donc les affinités électives, mais aussi les spécificités propres à chaque imaginaire et à chacun de ces personnages qui avaient une très forte personnalité et un goût très prononcé. Initié par Pierre Berger, le projet est parti des œuvres qu'ont possédées en commun successivement Jacques Doucet puis Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont acquis, au début des années 70, le revenant de Giorgio Di Chirico qui était dans le studio Saint-James de Jacques Doucet. Ils ont aussi acquis une paire de banquettes de Gustave Miklos et un sublime tabouret africaniste de Pierre Legrain. Pour résumer le goût de Jacques Doucet dans sa collection, dans le studio Saint-James, c'est-à-dire à la fin de la vie de Jacques Doucet, entre 1925 et 1929, le couturier collectionne l'avant-garde artistique. Il est un des premiers à acheter les sculptures de Brancusi, quand aucune institution, aucun critique d'art de l'époque ne regarde et n'apprécie. Il est le premier acquéreur des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Il s'intéresse au Picasso cubiste avant tout le monde. Il commande du mobilier à des jeunes designers qui s'appellent Pierre Legrain, Hélène Gray, Rose Adler, alors totalement inconnus. C'est un découvreur de talent, Jacques Doucet. Yves Saint-Laurent, des décennies plus tard, va être un peu un découvreur de talent quand on sait qu'il vit avec des Warhol quand peu d'institutions en voulaient, qu'il commande au Lalanne des pièces de mobilier quand ce sont des designers totalement inconnus, en tout cas pas reconnus. Mais en grande partie, Yves Saint-Laurent vit dans la recherche d'un temps perdu, dans la nostalgie d'une époque qui est précisément celle de Jacques Doucet, cette époque 1925 où l'on cultivait l'art de vivre pour l'art. Nous avons voulu une exposition
qui ne ressemble pas à une exposition muséale. C'est le privilège de travailler dans la Fondation Pierre-Berger-Yves Saint-Laurent, c'est une grande liberté de conception. Et en voulant créer une atmosphère, car le vrai sujet de cette exposition, c'est l'esprit de ces lieux, l'atmosphère de ces accrochages, le dialogue entre les artistes, les correspondances entre les œuvres, eh bien, nous avons aussi cherché à agir de la même sorte pour le catalogue de l'exposition. Il ne fallait pas que ça ressemble à un catalogue classique d'exposition. Nous avons travaillé avec un brillant graphiste pour essayer de créer une mise en abîme, puisqu'il y a une mise en abîme entre Doucet et Saint-Laurent dans notre exposition. Donc une mise en abîme, c'est le livre dans le livre, avec donc une maquette très originale, un papier très recherché pour obtenir une photogravure d'une grande qualité, d'une grande élégance. Le livre est aussi constitué de textes qui, je crois, feront référence, notamment parce qu'ils nous apprennent beaucoup de Jacques Doucet, qui est un collectionneur à la fois très célèbre dans le milieu de l'histoire de l'art, mais en même temps, curieusement, paradoxalement, de façon très injuste, très peu travaillé et très peu connu.